C'est ce qui s'appelle voir le grand bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Treasures. Et on est de retour sur la dorsale de feu. On va poursuivre ici et en baladant. J'ai vu qu'il y avait un petit coffre juste là qu'on va récupérer. Magnifique, le grand anneau là-haut. Et en fait, je suis retourné un peu en arrière parce que j'ai raté un petit truc qui va être assez important. C'est un personnage ça, non ? On récupère un trésor, 40 XP, super, il y a Mercurio qui reçoit le trésor. Juste là-haut, pareil, on avait chopé le coffre, il y avait encore une autre hauteur avec un autre coffre qu'on va aller choper le contenu. Et là, on va peut-être pas aller se farcir les monstres, non, ça ira. Et après, on repartira de ce côté là-haut. Je vais les éviter, moi, je vais sauter. On va pas s'embêter. Petite esquive là, hop, 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 hop. Saute, et on se tire. Ok. Avec nos jolis monstres, le petit dragon aussi, qui est avec nous, là, juste bien en haut de la colline. Recette de la méga, macreuse magique, recette d'un plat qui augmente beaucoup la magie, dont raffole les monstres tels que le condor final, difficulté difficile. Donc on peut avoir des recettes qui permettent eh bien, de faire pas mal de belles choses. Les nouvelles recettes viennent enrichir la carte du café blanc mangé et les nouvelles formules permettent la production de nouveaux projectiles à la fabrique. C'est cool. Il vous suffit de dénicher les ingrédients et les matériaux requis. Vous pouvez acheter des recettes et des formules dans les boutiques ou dans les gares. Oh, ça aussi, on peut en avoir là-haut. Et vous pouvez aussi en trouver dans les coffres en bois disséminés un peu partout. Pensez à apporter les recettes et les formules que vous avez trouvées au café blanc manger ou à la fabrique. L'un des deux, peu importe, ça fonctionne. Aïe! Et bah, nous, on va se rediriger. Hop, si on regarde la carte, tic 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 tic, vers la gare de Bois Carmin. Et après, on va descendre, je pense. On va suivre cette route-là, descendre. Ce sera pas mal, puisqu'on a un autre objectif pour l'autre gare. Faudrait qu'on l'active. Voilà, on va faire ça. Et si jamais je trouve des coffres sur mon chemin, des trucs intéressants, hop, on se revoit. Ouais, un petit trésor, juste ici. Mais en fait, il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans les zones. On se balade vraiment peu et on peut trouver un trésor. Qu'est-ce qu'on obtient ? Ah, oh. Je déteste ces monstres. Les sanguini. Il est un peu différent celui-là par contre. Attends, ça me dit qu'il y a encore un coffre de ce côté. Oula. Parce qu'après, c'est un peu le vide. Hein. Peut-être en hauteur. On devine à peine la présence d'un trésor. Ouais, non, apparemment ça trouve pas grand chose. Bah super, Mercurio. Ça y est, mes monstres, ils ont des envies. Génial. Non, t'aimes bien un petit gland de métal. Non, j'ai l'impression en fait. Si ça bouge pas, c'est qu'il n'y a pas grand chose aux alentours. Oh, aïe. On va les affronter eux. Je vois que je peux aller en dessous de la grotte. Tac, 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 tac. En vrai, vous préférez privilégier quoi? Les attaques aux projectiles? Alors, il y a des projectiles qui sont utiles, ça met beaucoup plus de dégâts. Mais je trouve quelquefois c'est un peu dérangeant de devoir activer justement ces projectiles rangés ou changés. Et c'est beaucoup plus drôle bah, de la jouer à la dague. Alors, hop. Ici, pareil, on a un petit coffre. Voilà, comme ça, on fait un peu de fouille ensemble. Bi-bong. Je prends. Yep. Ouais, vraiment, n'hésitez pas à fouiller quand vous jouez au jeu. Partout où vous êtes, même aux alentours. À la gare, c'est pareil. On peut trouver des jarres, des caisses, d'autres objets à ramasser comme ça, des matériaux. Oh, regardez-moi ça. Un gluant de métal. On va lui frapper directement. Je vais mettre le plus de dégâts possible avant qu'il fuit. Alors s'il court. Parfait, de l'XP. Ça va, on peut le courser. Mais par contre, si on voit une fumée, c'est-à-dire qu'il s'est barré. Il a pris la poudre d'escampette. Alors j'aurais peut-être pu essayer de le recruter, mais j'en ai déjà un gluant de métal. Au moins ça me fait de l'XP. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté de projectile pour. Il y a des choses à voir par en bas. Je vais aller voir vite fait. Je vois qu'il y a pas mal de matériaux. Par contre, c'est un cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac. Nya, 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 nya. Hop. Ça, c'est une bonne idée aussi, hein, d'avoir mis les petites voix des monstres. Quand on se balade, ils sont heureux. qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Étrange, ça. Ah, j'ai trouvé le trésor en dessous des escaliers. Voilà.
Hop là! Et un nouveau trésor pour nous! Ah, il y en a vraiment beaucoup hein, sur la map. Super, 400 XP. Clovis reçoit le trésor. Alors, regardez, il y a un nouveau gland de métal. On va essayer de le recruter, celui-là. Super dompteur, à coup sûr. Bam! Et puis, on va venir le frapper. On voit si ça fonctionne, on peut en avoir plusieurs. Allez, on le bourre! Ne fuis pas le gland de métal! Il est niveau 10. Et c'est bon, ça passe. Vous êtes resté un gland de métal. En effet, on peut en récupérer plusieurs. On en trouve aussi beaucoup. Hein. Ils sont pas super, super rares. En revanche, je peux pas les laisser fuir. Il y a encore un gland de métal. Encore un autre. Tac, tac, tac. On va activer une compétence. Ah, blablabla. Il est où? Il est là. Compétence. Avec le roi glure. Boing, boing, boing. Le blizzard monstre. Oh, oh. Bon, lui, ça met aucun dégât. Mais c'était bien fun. Si on touche, on touche, on touche, on touche, on touche, on touche. Ouh. Ça va, on les tue assez facilement. A voir si c'est eux quand ils décident s'ils veulent faire tout de suite ou non. Ou si vraiment, si on les tient directement sur des attaques. Est-ce qu'ils restent bien? Alors toi, tu vas pas emmerder mes monstres. Ah! Au moins, ça se parfois tomber des trésors s'ils sont attaqués par un clan rival. Ramassez-les rapidement ou vous les ferez voler. Sachez que les monstres peuvent transporter beaucoup de trésors. Qui peuvent transporter beaucoup de trésors sont aussi susceptibles d'en laisser tomber. Il est où mon trésor? Il est là. Non mais où? On récupère ça. Ça va pas la tête. Il y a un rapacer niveau 24 là-haut. Trop de niveau pour nous. Mais par contre, regardez comment c'est magnifique. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup. Là-haut, il y a un gros caillou qui tient. Je sais pas comment il fait. Avec un dôme, des fleurs de cristal. Waouh. Et là-haut, plus une zone volcanique. Et de quoi se reposer, etc. Alors, on est où? On est ici, non loin du cratère. On va passer par les pentes de rouge lave. Il y a des rapacers, un peu plus de mon niveau, ceux-là. On va se les faire au projectile. Alors, est-ce que j'ai des choses? J'en ai beaucoup, j'ai le bong. On va se faire plaisir sur ça. T23. Ça explose, hein. Aïe! Oh, il se soigne! Il se soigne! Alors, puis il se soigne bien en plus. On va essayer vite de le tuer. Ok. C'est bon, celui-là, il est mort. Il reste plus que ce chopper. Et en plus, on a dressé un rapacer sans avoir utilisé de projectiles. Donc ça, c'est aussi de la chance. Parce que des fois, avec des projectiles aussi pour dresser, ça marche pas. C'est des pourcentages. Ça doit correspondre à certains monstres. Certains plus faciles, d'autres beaucoup plus compliqués. Allez. Voilà. Clovis niveau 17 et Mercure niveau 13. Et si on va prendre l'objet là. Encore un rapacer. Et moi j'allais par là-haut. Alors on peut faire ça. Hop. On peut voler. Il y a tellement à voir. C'est pas Mercurio. Il aime bien jeter lui. Il y a un petit coffre en bois. Objet intéressant. Une recette de Nigiri Vernis. Recette d'un plat qui augmente la probabilité que les monstres ennemis abandonnent des matériaux une fois vaincus. Et c'est facile. Ça peut être pas mal ça. Si jamais il faut farmer certaines ressources de monstres. Ouais, là-haut je pourrais pas y monter, je crois pas. Hein. On peut essayer de faire quelque chose. Alors. Je vois que vous faites les fous. Toi, soigne-toi. T'es en train de prendre cher. C'est tout bon. Et on va achever cette gluante. Il y en a encore une là-haut. On va la tuer. Comme ça on sera tranquille. Je vais essayer de grimper la falaise et après de monter là où il y a l'anneau. Voir si c'est possible. Par le côté gauche, ça a l'air de plutôt bien passer.
En plus, on peut faire aussi des combos. Je vais vous montrer ça. Avec nos monstres. Par exemple, je saute. Et après, je peux voler. Et là, on peut se diriger à certaines zones. C'est un peu plus compliqué. On ne pourrait pas y aller. Là, ça passe un peu mieux. Ici, ok. Oh là là. La grimpette qu'on fait. Ça ressemble à rien. Allez, boing. Et on va voler. Peut-être me poser là. Ça va, Mercurio? Tout va bien? Ah, des murs invisibles. Ah, il y a des murs invisibles. Genre par là, je peux pas. Essaye de grimper. Faire partir d'ici. Boing. Et on va voler. Ok. Ah, ça passe. Je pense pas les plus hauts. Hein. Ça va être dur. Comme ça. Oh, ça peut le faire. Oh, ça peut le faire. On est des ninjas. On est des ninjas. Et à quoi sert cet endroit, ce truc-là? Apparemment, pas à grand-chose. Du moins, pour le moment. Il n'y a pas de coffre. Pas de levier activé. Mais on aura testé et finalement, on peut bien grimper. Allez, voyons. Tac. On y va en volant. Ça se trouve passer à travers. C'est marrant. Qu'est-ce en termes de décoration? Ouh là là, où s'il n'y a pas de belles choses. Ok. Allez, fais-moi sauter. On va faire gaffe à la lave quand même. On va faire des bêtises. Parce que sinon je pense qu'on va brûler. Pas de trésor? Pas de trésor. Boing. On va aller chercher ce matériau. Un morceau de lave. Je prends. Et boing. Puis on vole. Oh là là. Il y a tout ça aussi à faire. La carte. C'est quel côté? C'est vers là-haut. Ah non, on voit les autres zones. Il n'y a pas la map du volcan. Étendard à vague. Ah, un nouvel étendard. Bon, on ira mettre celui-là. Ouais, il me dit bien. Là, on peut récupérer le train. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas encore actif. Faut que j'aille activer celui qui est en bas. Alors, si je saute et que je fais ça... Oui, je peux à tout moment faire ça. Ça évite de se blesser. Yep. Ah bah fallait rapporter des morceaux. Ah, il faut 6 morceaux de lave. Bon, moi, même pas la sanguinite. Ah oui. Ah oui, on a un bon coffre. Qui est pas très loin. D'accord. Bah sur un rocher. Ici? Oui, ici. Voilà, on a trouvé un bon trésor avec les monstres vision. Ce qui nous fera quand même 5 coffres. Hein. Alors le truc c'est que la sanguinite je vais pouvoir récupérer où? A voir si c'est pas un boss ça par contre. Parce que les morceaux de lave, pas un problème. Il y en a un peu partout ici. Bon là normalement les morceaux de lave, je les ai. Une gemme rouge. Je vais récupérer ceux de l'autre côté. Morceau de lave et morceau de lave. Bon. Pas trop mal tout ça. Déjà, je vais pouvoir aller donner les morceaux de lave. Ce sera fait. Mais manquera les sanguinites. Ah oui, c'est parce qu'ils foncent dans la lave qu'ils prennent des dégâts. Les cogolitos. Hop. Déjà une quête. Au moins ça c'est fait.
Il restera plus que la sanguinite à récupérer. Bah, je pense qu'on va... On va se rentrer. Hein. On va utiliser une aile de chimère. Qu'on n'a jamais utilisée. On verra ce que ça donne. Et après... Ah, il y a encore des choses à voir. Hein. Les zones sont très grandes. Les zones sont assez grandes. Le temps de tout fouiller. On va faire ça. Allez. Aile de chimère. Sélectionnez le chemin menu pour entrer à la base immédiatement sans perdre vos trésors. Et on peut en obtenir lors des quêtes. Oui. Sans perdre vos trésors. Très bien. Retour au bercail. Bon, là, on a chopé pas mal de choses. Fait aussi beaucoup de combats de monstres. Donc l'XP, ça a bien monté. Voilà. Oh oui. Attitude de commentateur moelleux. Sanguini. Ouais, choupi choupi, hein. Mais bon, ça monte les dents après. Statue de Rosini. Angui, Dragon Quest 7. Pas grand chose. Oh les. Oh. Les enfants du Dragon Quest 5. Oh, oh. Statue de jumeau dans le destin fut scellé par les cieux. Pareil, là c'est Dragon Quest 4. Boria. Donc c'est lui, je pensais que c'était un boss. Plus 27%. 2 millions, pratiquement 700 000. On est très bien. On va augmenter la caisse. L'objectif c'est quoi? C'est 4 millions. Wouhou! C'est atteint. Hé hé, on passe au niveau 3, c'est ça. Chasseur amateur. Nom de trésor 2. Ah, j'aurais plus de trésors. Plus de valeur de trésor, plus 10%, 20%. Les monstres ont envie de rejoindre votre clan. Ah, plus de chance, efficacité des combos monstrueux. Le prochain, ce sera 10 millions. On va changer d'étendard. On va mettre celui à vague. La mission d'expédition, elle est terminée. On ira parler à Monsieur Firmin. Et c'est tout bon. Yep. Miu miu, de Destiny après toutes ces aventures. En vrai, ça, c'est le genre d'épisode qu'on fera pas non plus trop. Fouiller, récupérer des trésors, combattre que des monstres. Parce que sinon, les épisodes vont se ressembler. Je préfère faire des choses où... sur la quête principale ou des quêtes secondaires. Ça peut être vachement impressionnant à voir. Et peut-être de temps en temps, on fait des petites chasses comme ça. Bon, on avance aussi dans l'histoire. Hein. On avance aussi dans l'histoire. Elle nous a dit que nous cherchions à rassembler cette pierre. Vous vous souvenez? Allez, expliquez-nous. En fait, cela est une mission qui nous a été confiée par les dieux. C'est ça, nous sommes en réalité des jeunes dieux venus d'un monde lointain. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer chez nous tant que nous n'avons pas retrouvé cette pierre. Vous vous rappelez cette tablette de pierre qu'on a trouvée dans le dédale, qui nous a indiqué la bonne direction? J'ai la sensation qu'il en existe d'autres. On devrait retourner dans le dédale pour jeter un coup d'œil. Il y a une porte qui est fermée. Heureusement, j'ai pensé à tout maintenant que les travaux se terminent dans la gare. Le contremaître a du temps libre, alors j'ai sollicité son aide. S'il parvient à ouvrir la porte, vous pourrez aller inspecter le reste du dédale à notre place. Si on retrouve d'autres tablettes, cela nous aidera sûrement dans notre quête des pierres de dragon. Ah, vous voilà. Pourriez-vous passer me voir lorsque vous aurez un moment? J'ai une information importante à vous communiquer. Il se passe des choses. D'efforts à faire, en effet. Un petit repos quand même. Bien mérité. Ah, ça fait du bien. Yep. On va t'estimer un trésor 5 sur 5. Alors on va commencer par toi. Les expéditions. Eric, il a fini. De retour! Top succès! C'est bon? C'est gagné? Oh bon. Statue de guerrier. Et pas mal d'objets. L'équipe. Équipe 1 revient de sa mission après avoir découvert où les bêtes fauves ont installé leur campement. Ah oui, c'est équipe 1, donc on pourra avoir d'autres équipes, mais pas forcément avec Eric ou Mia. Rendez-vous au land suspendu avant que les bêtes fauves ne quittent l'endroit. Battez-les et récupérez leur trésor. Ah, ils ont découvert où étaient les bêtes fauves.
qui ont installé leur campement. Au land suspendu. On pourrait faire ça pour le prochain épisode. Je choisis la destination. On va les envoyer autre part. Les dunes. Je garde cette équipe là. Elle est très bien. C'est parti. 15 minutes. Moins long. Des choquignons. J'aime jaune, donc c'est les objets qui sont chopés. Alors toi, qu'est-ce qu'il y a? Donc bien, je voulais vous parler de quelque chose. Vous voyez, le clan DC Treasures ne cesse de s'étoffer. J'en viens à me dire que les installations commencent à être un peu limitées. Mais ce n'est pas la fin du monde. Quelques aménagements par-ci par-là et ça fera toute la différence. Pour tout vous dire, j'ai jeté quelques idées sur le papier, mais c'est vous qui décidez évidemment. Et puis n'oubliez pas que je suis là pour vous aider à ce que tout roule comme sur des rails. Alors, par quoi vous voulez commencer? Je vous suggère de choisir ce qui manque le plus d'après vous. Alors, ajoutez les installations. Le bon bazar. Il n'aurait pas su que vous aurez peut-être la convaincre d'ouvrir un magasin ici. On dit que Madame Blanc-Manger, chef de Draconia, mais pourriez vous la convaincre d'ouvrir un café ici. Et Anatole, notre ancien chef magicien, se trouve quelque part dans la ceinture de feu. C'est lui qui fabriquait nos trains, mais vous le persuaderez peut-être. Mais on peut tout prendre, non? Ouais, on a toutes les quêtes. Sans les quêtes secondaires. Les recrues potentielles! Oh! Oh, il brille! Gontranche! Ah, bah, on va te garder. Garder. Falco, on va te garder aussi. Un autre gland de métal que je vais garder. Et là, je peux mettre un deuxième trésor. C'est ça que j'ai débloqué. Tic! Trésor des babillons. On va mettre un trésor, on va mettre les jumeaux. En bon état. Même pas en très bon état. Ouais! Voilà! Ça avance. Voir les quêtes. Alors, quête principale. Faites grandir le clan. Trouvez de nombreux trésors. Commencez à faire progresser votre clan jusqu'au niveau 4. On est au niveau 3. Ça pourrait se faire dans un ou deux épisodes. Là, on a les quêtes de clan que je vais devoir faire. Ouais, on a pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses. Quête quotidienne. Effectuée, effectuée. On peut les remplir ici? Non. Et enfin, les quêtes d'expédition. Pour le moment, ça attendra. Alors, il a parlé du contre-maître, comme quoi on pouvait aller en bas. Après, il y aura les landes à faire les choses. La zone volcanique. L'épine dorsale. Pour la quête secondaire aussi. Bon, on va terminer ça. J'avais même pas regardé c'était quoi mes quêtes, hein. Ça s'est fait tout seul. Donc là on pourrait ouvrir maintenant. Vas-y, défonce-la. Tu peux t'en occuper tout de suite. C'est réglé en moins de 2. Bah... Vas-y. Je pense qu'il va falloir qu'on avance encore un peu. Je veux pas le faire dès maintenant. Bah écoutez, on va se quitter là pour cet épisode. On aura fait quand même pas mal de petites choses très utiles avec beaucoup de trésors qui ont été récupérés. Donc on va bien remplir notre salle au trésor. On va devenir riches ensemble. Alors rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Treasures. Ça reviendra très vite. Des bisous. Et puis à la prochaine. Salut !